Et bonsoir à tous. Nous voilà de retour pour Resident Evil. Ou Resident Evil 4 en français, hein, bien sûr. Enfin, si la manette veut bien marcher. Ah. Pam 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 pam. Pas chargé. Ça m'explose les oreilles. Some rare things on. What are you buying? What are you buying? Ah oui, je venais d'obtenir un nouveau flingue. Nishoro. Flingue amélioré. Arrêtez. Ah oui, nous venions de passer devant l'église et on venait d'apprendre qu'ils avaient caché le petit objet permettant d'ouvrir l'église de l'autre côté du lac. Du lac où ils avaient lâché le Gigantes. Le Gigantes, comment on le dit en espagnol. Pas toujours est-il qu'ils ont lâché un monstre dans le lac. Et que c'est le lac qu'on doit traverser. Bande d'enfoirés de fils de pute de merde. Ah, j'ai quasiment pas de balles. Là, le petit cochon. Oui, il sait qu'on parle de lui, hein? Il sait qu'on parle de lui. Headshot. Voilà. On doit romper la pénitence! Deux autres chances, les gars. Un là, mais je.
espèce d'imbécile, ouais. Ouais. Y'en a plein. Zombie. Et bonjour à toi Stormlight. Et bonjour à toi aussi Z-Way. Comment ça va en cette belle journée? Salut à toi Suikei. Et ouais, R4. Un peu de souvenirs. Je l'ai commencé lundi soir. Et comme j'ai pas joué hier soir, bah ça a pas avancé. Et du coup j'en suis juste avant le lac. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Oh, des munitions dessus. Ah, il y en avait un derrière. Relève-toi là. Pas marrant. Et salut à toi Naruto. Ouais, lundi soir j'ai fait une petite heure et demie, du coup j'en suis juste avant le lac. Là je vais jouer une petite heure et demie aussi. Parce que ce soir je vais me coucher tôt. Demain il y a la conférence Quarksoft qui commence à 3h. Il y a plein de monde qui me host en plus. Putain, c'est cool les gars, vous êtes gentils. Et j'ai pété un œuf, quel con. Oh. Pété un œuf pour en gagner un doré, parfait. Je suis sur quelle plateforme? Donc là, je suis sur PC. Je l'ai acheté sur Steam parce que je me suis dit que la version serait beaucoup plus propre. Et en fait, non, c'est pas beaucoup plus propre. Et salut à toi, Easy Game, bienvenue parmi nous. Coucou Naruto. Vous arrivez tous en même temps, c'est pas cool, les gars. Allez-y doucement avec moi. Fatigué, je reviens du boulot.
C'est qu'ici. Et en plus, vous venez entre amis, c'est parfait. Shit. Vamonos. Ok, andale. D'accord, vous êtes deux speedrunners. Oui, forcément, vous allez pas trop aimer ma façon de jouer, je vous le dis tout de suite. Hein. Le speedrun, c'est pas trop mon truc. Moi, j'y vais décontracté. Moi, quand je fais n'importe quel jeu, je prends mon temps, hein, clairement. La dernière fois qu'on m'a vu presser, je devais pas être là. Oh, une plante jaune. Pas de plante verte. Offre même la plante verte pour aller avec. Ils sont gentils les gars. Tant que ça va nous servir contre le Gigantos. Je joue toujours comme je veux, hein, vous inquiétez pas pour ça. Il n'y avait pas un autre. Je vais pas acheter la carte de la carte. Ah, j'ai tout. C'était juste avant, il n'y avait pas de bouton pour avancer. Le lac a l'air tellement plus large quand il y a le Gigantos, quoi. Et salut à toi, Milly. Bienvenue parmi nous. L'arbre, je vais me prendre l'arbre. Je me suis pris l'arbre. On monte dans la barre en mode détente. Pam 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 pam. C'est déjà le bouton, c'est Y. Non, j'ai pas tenté la strat du speedrun, non. C'est quoi, c'est le planter en un seul tour, non? Faut pas avoir la queue? C'est vrai, il est très gentil avec moi, hein. Il a évité tous les arbres depuis le début. Allez, je fais juste ça pour qu'il y aille.
Putain, vous avez même minuté ça, vous. J'imagine que 48 secondes, c'est un très très bon temps. 12 harpons, j'en suis à combien, 4 hein. Allez, mais plonge pas maintenant. Je suis tellement nul qu'il a décidé de s'enfuir. D'accord, 48 c'est parfait, d'accord. Moi je suis à 48 minutes, ça compte ou pas? Oh, moi je t'aurais fait rire, Naruto. C'est tout ce qui compte. Minutes en speedrun, donc j'en suis à 1h40. Ouais, c'est bon, je suis dedans. C'est ça, ouais, 2h. Pile dans les temps, regarde. Regarde, 2h pile. Allez, je m'y mets. Allez. Dans 10-15 minutes, on a fini de jouer. Hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Hmm. Can't say. Moi, je profite du jeu et je veux que tout le monde en profite. I'm gonna continue my mission. Un objet important est caché dans les chutes. Si vous le trouvez, vous pourrez peut-être aider Ashley à s'échapper de l'église. Attention, le chemin permettant d'accéder à l'église n'est pas facile. Ils ont appelé et ils ont placé ce qu'on appelle un El Gigante. Que Dieu vous protège. Pour ce qui est de votre état, si je pouvais vous aider, je le ferais.
Et cette situation me dépasse. Ah, 6 heures, c'est joli, hein, si tu casses pas le jeu. Si tu utilises pas le TMP glitch. Pas d'objet dans le coin? Ah non. Il a une belle tête. Non. Ah, dans ton cas, c'est différent. Autre façon de profiter du jeu. Peut-être qu'un jour je me mettrai au speedrun, hein, mais pour l'instant je préfère jouer juste à mes jeux. En profiter à fond. De carabine. Deuxième mondial. Putain, c'est impressionnant quand même, hein, les gars. Vous déchirez. En fait, quand on aime un... Pas faux, ouais. Moi, je trouve de l'intérêt à jouer à des jeux. J'aime bien les finir. Après, quand je les ai déjà finis une fois, c'est vrai que c'est beaucoup moins intéressant, mais... Ah, je pourrais pas jouer 10 ans à un même jeu.
pas possible. Psychologiquement, je pourrais pas le supporter en fait. Il y a un moment, je craquerai, j'arrêterai de jouer. Là, si je me rappelle bien, il y a un gros tas de zombies. Là là là! Merde, ils sont déjà tombés. Burn, baby, burn. Ouais, 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 c'est vrai que quand tu le connais totalement... Ah, ça s'envoie des fions. I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Eh merde, j'avais appuyé sur le bouton. Bon, en gros, faut que je retourne à l'église, les amis. Sauf que maintenant, il y a un boss sur le chemin. Pam palam 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 pam pam palam. Got a selection of good. What are you buying? Buying. Is that okay? Is that okay? Thank you. Ah ouais, ouais, y'a un vrai progrès, et puis bon, là je suis sur la version HD, donc certainement, y'a aussi pas mal de choses qui changent. Et ouais, le 4 est super beau. Encore une fois, c'est la version HD, hein. La version qu'ils ont sortie sur PC y'a pas longtemps, enfin pas longtemps, y'a un an ou deux. Version HD ou... Je trouve quand même beaucoup de défauts de graphisme. On va encore dire que je critique comme un vieux dégueulasse. Donc. Peut-être dû sauvegarder aussi. Comment je joue, ça aurait pas pu me faire de mal. Rapido, rapido, rapido. Arra, usa los músculos. Rapido, apúrense. Rapido, rapido. Ah, y a toujours des mecs un peu plus barjots que toi et qui arrivent en plus, hein, c'est ça le pire. Ah,
survécu. Pas longtemps, mais j'ai survécu. Tant que tu l'avais pas vu lui non plus hein. C'est un peu injuste, hein. Ouais mais c'est super utile pour les gens nuls comme moi. Et merde. Et là t'as le droit de faire ça? C'est legit? Et oh. Comment je suis en train de me faire ramasser comme une vieille merde? Et merde, et merde, et merde. Là, j'avoue, c'était legit. Y'a pas une plante par là? Ah, si. Merci Naruto. Quand je pense qu'après il y en aura deux à tuer. Combat poids plume. Merci pour ce trophée. Ah merde, vous voyez pas mes trophées du coup. Oh. Bah c'est bien dommage.
pas de poule, il y a les chiens là, si je me rappelle. Est-ce que les chiens avec la tête, ils partent de la même façon que les autres ou pas? Ça doit vouloir dire oui. Ah non, il est où? Je l'entends mais je le vois pas. C'est balle perdue. Ça doit être après la charrette. Hein. Avec les tentacules qui sortent de la tête. Les chiens évolués quoi. Là c'est monté, de l'autre côté ça doit être... Les chiens mutants avec les tentacules qui sortent de la tête. J'ai loupé l'autre échelle là. Exprès, Léon. Hein? Oh là là, le truc revenait vers la truc. Tu fais exprès ou t'es con? Ah non, fallait donner plus de mou. Faut le faire tourner. Encore une fois. Oh, on est bien là. Super. Bien là. Et le bleu. Le bas en là. Voilà. Là on est pas mal là. Parfait! D'accord, en fait, il fallait juste pas meilleur, d'accord. Je pense que j'aurais pu continuer pendant 2 heures. Hein. Bon, on arrive au moment le plus pourri du jeu. Celui où l'indécrottable... Brutti qui lui sert de fille de président arrive. Parti. Ashley. Don't come.
Hey, take it easy. No! Get away! Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. Je suis un gentil monsieur avec des bonbons. Viens avec moi! It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. C'est ça, le boulet de service. La plus pire de toutes. Bon, si à un moment je me mets à pleurer, c'est à faute d'Ashley. Je suis désolé. Bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi tranquille. Wait, follow me. Wait, follow me. I'll take the girl. Who are you? If you must know, my name is Osman Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnap the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. C'est vrai que les voix sont très bien faites. You'll do as I say. Même celle d'Ashley est tellement désagréable. Total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion, if you ask me. You okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess, we can get out of it. Non, non, mais les voix sont géniales, hein. Léon a une très bonne voix, Ashley a une voix tellement agaçante que t'as envie de la flinguer toutes les 5 secondes. Ada est géniale, et Ada est tout le temps géniale. La porte.
Full forasteros. Peut-être jouer au stick analogique, on pense. T'as les yeux rouges, toi, c'est pas bon pour ma tronche, je me rappelle bien. Ah, c'est bien ce que je me disais. Louis ? Louis ou Louis ? Ou lui ? Parce que si c'est Louis, Louis il a la classe, mais de là à dire qu'il a le charisme, je sais pas. Je suis pas tout à fait d'accord. Par contre, oui, il a la classe, ça c'est sûr. Difficile de dire le contraire d'ailleurs. Pour vous les méchants. Ils sortiront bien quand ils auront envie. Moi j'ai un problème, c'est avec Kruger. Je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire avec lui en fait. Je trouve qu'il est très très mal utilisé. Et comme beaucoup de joueurs n'avaient pas fait le Umbrella Revelation, bah tu comprends pas trop d'où il sort. Welcome. Got some rare things on sale. What are you buying? Is that... Thank you. Balle de fusil gratuite. Is that... Thank you. What are you buying? What are you buying? What are you selling? What are you selling? Is that all, stranger? Is that all, stranger? Is that all? Thank you. Come back anytime. Ah non, je les ai déjà pris ici. Come back. Balap, balap, balap. Bon, jusqu'à présent tout s'est bien passé, hein. Ashlyn m'a pas trollé une seule fois. Elle a pas été chiante, mais en même temps on a rencontré personne. Et salut à toi, Crozer. Et donc forcément mon commentaire sur Crozer a dû bien te faire plaisir. Un forasteros! Allez, venez maintenant. Là, on a de la place. Pile au moment où j'en parle, tu vois, vous faites exprès en fait, vous faites venir des gens que je critique, c'est ça. Ta-dam, 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 ta-dam. Père spirituel. Ha!
Ah, j'ai oublié de vendre des balles de TMP aussi. Des merdes. Ah d'accord, eux pour les tuer plus rapidement, faut attendre qu'ils commencent à souffler, d'accord. C'est cool d'apprendre des trucs comme ça. Des amis ou pas? Bon bah écoutez, hein, s'ils veulent venir. Vous avez trop de me traiter d'abruti, c'est bon. Je suis pris le piège à loup, c'est bon. Ça c'est fait. Il n'y a plus aucun français qui joue en casual maintenant? Non mais dites pas ça, moi je joue en casu sur tous les jeux possibles. Là t'es obligé de faire ta tête toi. Je vais brûler. J'ai fait péter une autre tête derrière là. Même pas je crois, c'est le cas.
parce que vous jouez tous en speedrun, c'est pour ça. Faut vous faire une soirée casu de temps en temps. Encourager les petits jeunes. C'est sûr que quand ils vous voient jouer et finir le jeu en 10 minutes, ils doivent se dire que c'est un peu trop dur pour eux. Bon, on fait un pari sur le temps que Ashley va mettre à me rejoindre ou pas? Eh bah peut-être à tout à l'heure, Causeur. Ça dépendra du temps que je vais rester encore en jeu. On la voit sur la carte, la petite? Oh, pile au moment où j'allais aller te chercher. Balama, pam pam pam. Et là, tu mets un grand coup de latte dans la porte, tu lui envoies dans la gueule, quoi. Si seulement. Ah oui, il y a la partie dans la maison. Welcome. Got a selection of good things on set. What are you selling? Is that all strange? Thank you. What are you buying? Oh, les grenades, non, je vais les garder. What are you buying? Bon alors le fusil à pompe, la vitesse de chargement et la puissance. Allez c'est parti. Thank you. Ça fait plaisir, de toute façon il va avoir du mec à tuer. La seule arme utile. Leon, I have some bad news. I'd rather not hear it. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. C'est sympa? À me dire d'aller au point d'extraction, j'aurais préféré qu'ils me disent pas tout de suite que l'hélicoptère était déjà mort d'avance. Allez, 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 allez. What are we gonna do, Leon? I hate to say it, but we're sandwiched, all right. Quick, in that cabin. Leon. Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics, too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, boobies! Excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... Well, you know. Don't worry. She's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! Ashley, upstairs! Okay, it's game time.
va retarder l'action de quelques secondes, hein, si vous pouvez. Hein. Il a dégagé de toi. Là, ça va un peu moins bien, je t'avoue. Ah, il fallait bien que ça se finisse un jour ou l'autre. Looks like they're backing off. So, what do we do now? The bridge I crossed to get here is out. So I guess we have no choice but to keep moving.
I forgot something. You guys go on ahead. Louis. Putain, le mec, quoi, il a joué perso et tout. Sérieux, elle va attendre. Non, mais au moins passe par les escaliers si tu peux pas me rejoindre en sautant. Deux itinéraires. Lord Sadler vient de me dire que nos hommes avaient abattu un hélicoptère de l'armée américaine. Il devrait pas y avoir de renfort pendant un certain temps. Tant que le gouvernement américain n'aura pas démasqué le traître, il ne pourra pas lancer que des opérations secrètes de petite envergure. Nous devons profiter de cette situation pour capturer la fille. Seuls deux itinéraires peuvent permettre aux Américains de s'échapper de notre territoire. Nous les arrêterons ici. Nous allons faire appel à tous nos... Nous concentrerons tous nos hommes sur l'un des deux itinéraires. Nous ne passerons pas sur l'itinéraire, notre El Gigante s'occupera de tout. Quel que soit le chemin qu'ils choisiront, l'agent et la fille ne sortiront jamais d'ici. Ouais, mais un gigantesque, je l'ai déjà battu en fait. Écoute. Moi je vais ouvrir sur une droite. Je suis fou. Et que je sens que ça va être plus marrant. Et salut à toi Newmed, bienvenue parmi nous ce soir. Tu arrives pile au moment pour me voir mourir, c'est parfait. Un truc, genre une clé ou... Ah non. Ah si. La clé dans... Ah bah tu sais que je garde les meilleurs moments pour quand t'es là. Bon bah finalement je vais peut-être pas mourir. Je suis désolé. Je sais que je te brise ton arrivée mais...
défense du village. Les soucis... Oh putain, j'y arriverai pas ce tour. J'ai sous-estimé les qualités de l'agent américain. Il est toujours vivant. Je pensais que nous pouvions attendre l'éclosion de l'œuf dans son corps, mais à ce rythme, il risque de détruire tout le village avant que nous... Nous allons devoir changer nos priorités. Pour l'instant, cessons des recherches. De rechercher Louis et tendons une embuscade aux deux Américains. Cabane sert à torturer les traîtres près de la sortie. C'est l'endroit idéal pour leur tourner un guet-apens. S'ils survivent, ils devront m'affronter pour franchir ce dernier portail qui mène hors de ce village. Car ce portail ne peut se... C'est ça. Donc c'est un village de zombies et il y a 2-3 mutants gigantos qui le peuplent. Et qui le peuplent bien même, hein, on peut bien dire. Welcome. Welcome. Got a selection of good. What are you buying? What are you buying? Come back any time. What are you buying? Ah ouais, c'est peut-être ça en fait. What Je suis pas mort buying? Parce que t'es arrivé. Is that all? Thank you. Tu me portes chance. What are you selling? Is that all? Thank you. Je crois que j'ai tout ça à vendre. Y'en a qui se fusionnent si je me rappelle bien. Elle, ça sert à rien. Qui doit se convivre avec ça, non? Ouais, c'est bien. Normalement, il y a des trucs qui vont dans le masque. Oh. Eh, n'empêche, en général, quand t'es là, Newman, ça se passe plutôt bien. Hein. Mine de rien. Lui le maître, bien sûr qu'il survit dans le cap. Si t'avais été une fille, je t'aurais marié, mais là... Comme je te l'ai déjà dit, moi, les grands barbus.
d'abord aller dans la grotte et après on ira au boss. Et merde. Oh, elle est morte en un coup. Sérieux, t'es tellement inutile que j'ai tellement envie de te mettre des balles dans la tête. Wait. Bah, moi je me disais qu'elle était pas encore morte une seule fois, que c'était bizarre, mais... Encore dire que je suis négatif. Et je pense que c'est juste parce qu'elle me donne du... Et là, encore, elle a été calme, hein, elle a pas fait un bruit... D'habitude, elle fait « Leon, Leon !» Elle a le don de m'agacer, la petite. Putain, regarde, je l'ai rattrapé. Welcome. Got a selection of good things. What are you buying? What are you buying? Come back. Now, boss time. Bon, allez, on fait le boss et après on arrête. You better stay outside. Ashley, go hide. Yeah. Va te cacher, vas-y. C'est ça en fait, c'est pas vraiment des zombies en fait, ils sont parasités par un insectoïde. Donc en fait ils sont contrôlés par le maître de la ruche. En fait c'est pas vraiment des zombies en soi. Même s'ils sont des zombies hein. Hasta luego. Je devrais tellement être mort avec lui. On va tellement pas utiliser le flingue. Merde, y'a deux coups!
Bon là j'y vais un peu à la bourrin hein, mais... La partie 1 est bonne. Non mais c'est intéressant que si tu danses, Nyo. Tu nous fasses la danse de la victoire. Là. La défaite, je sais pas. Mais... Je crois que ça sent surtout la défaite. Là, hein. Faire gangbanger quoi. Eh non, ça passe les gars, ça passe! Easy peasy même! Enfin, peut-être pas, mais. Bon, qu'est-ce qu'il y a à prendre là-dedans? Oh putain, il y avait une grenade flamme. Bah danse pas trop avec hein, au cas où si tu embranches quelqu'un ça serait con. Bon en tout cas les amis je vous remercie de m'avoir suivi. On va s'arrêter là pour ce soir. On va aller jusqu'au point de sauvegarde hein, mais... Are you okay, Leon? Ouais ouais on le voit bien. Tranquille. Easy peasy. On a plus de balles. Et... Tranquille. C'est bon, on approuve. Dorénavant, tous les soirs, tu danseras la danse de la victoire. Les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir suivi ce live. On se retrouve demain, vers 6h, si vous voulez bien. Même si vous voulez pas, de toute façon. Pas trop le choix. Sinon, je pense que je serai connecté vers 3h du matin. Je crois que le live de Squaresoft commence. Donc je serai à 3h du matin en live à regarder la conférence. Allez, bonne soirée à tout le monde.